My name is Leonardo Cini. Mon nom est Leonardo Cini et j'ai 27 ans et je viens de Sardaigne en Italie. J'ai commencé à étudier la musique quand j'avais 9 ans et j'ai commencé la trompette. Puis j'ai continué à jouer dans différents orchestres. J'ai fait mon master à Londres et puis à Londres j'ai aussi commencé les études de chef d'orchestre. Maintenant je vis à Amsterdam où je viens de finir mon master en direction et puis je viens de commencer cette carrière et c'est tellement fascinant. C'est très intéressant de voir ce qui va se passer dans les années prochaines. It's fascinating and it's very interesting to see what will happen in these next years. It's an opera competition. C'est une compétition d'opéra et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec différentes maisons d'opéra. Ce qui est vraiment spécial à cette compétition, c'est qu'on peut, dès la première épreuve, jouer avec un orchestre. Le prix, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est l'expérience pendant le concours. C'était vraiment fantastique et c'est surtout pour cette raison que je suis entrée dans cette compétition. C'est dur à prévoir ce qui va se passer sur la scène, surtout quand tu travailles avec un orchestre que tu n'as jamais vu avant. Mais spécialement dans ce monde d'opéra, ça fait partie du travail et c'est plutôt excitant. Donc ça ne me fait pas vraiment peur, mais ça fait partie du boulot que c'est parfois imprévisible. Donc tu essayes de te préparer au plus que possible et tu essayes de connaître les chanteurs en avance. Mais bon, de toute façon, c'est toujours une première fois en travaillant avec les musiciens. Mais c'est très excitant. Donc tu essayes de te préparer le plus possible. Et bien sûr, tu essaies de connaître les chanteurs en avance, mais quand tu travailles avec eux, c'est toujours une première fois. Donc, il faut bien réagir, mais de toute façon, c'est une partie excitante du métier de chef d'orchestre.